L'une des rares voitures à avoir fait la conversion entre le TC2 et le TC1, la Honda Civic WTCC. Bonjour et bienvenue dans Track Day. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette voiture disponible pour Assetto Corsa. Le lien est dans la description. C'est une évolution gratuite puisque le modèle de base qui a été apporté dans le jeu a été réalisé par une équipe de modeurs portugais qui avaient adapté la voiture ainsi que ses consoeurs du championnat 2014. Mais cette fois-ci, on peut enfin vous la présenter. Elle n'est plus privée. Ce bolide répond donc aux normes TC1. C'est un moteur 1600 de 174 chevaux. C'est un litre 5, un litre 6 à peu près pour cette voiture. C'est un moteur qui complète le 0 à 100 en 7,2 secondes. Un bolide qui est plutôt mal réalisée visuellement, elle n'est pas très esthétique, il y a pas mal d'erreurs, notamment au niveau des proportions, je pense. Cette voiture n'avait pas été modée sur du laser scan ou des proportions réelles, et elle paraît un petit peu plus bouffie que la voiture réelle. Par contre, en ce qui concerne le comportement de cette pure touring car, si on peut appeler encore ça du touring car, vous comprenez bien ce que je voulais dire par là, avec ces nouvelles générations de TC, eh bien on a vraiment un comportement à la traction, et c'est pour ça que je suis parti sur un circuit dernière génération également, disponible dans la description, le Slovakia Ring. Cette voiture va vous permettre de vous amuser, et qui sait, peut-être que ses consoeurs vont bientôt rejoindre la Civic en piste. Vous connaissez la tradition d'Entrack Day, les amis, on profite, on s'installe, on enjoy et on monte le son.